13 camions yu nek Diboli chargé marchandise oni moy marchandise yi nga xamanteni dafa jëm Mali français yi mom ko ñu chargé ko fi ci Escoa camp bi nek Escoa kon donc lolu état la biñu démé ba chargé ba paré def nañ fi 5 6 jours yo xamni mënu ñu dem biñu départé ñu dem ba dugg Diboli biñu duggé Diboli garé fanan fa ben goudi yalla ak sutram Mali am nañ système bo xamni xomu lu ñu def ba auto bu dugg fofu nañ xamni auto yi la ñu gis ni auto yi sen identifié oni la moy bagage français yi population bi jotta nek Diboli attaquer chauffeur ci goudi gi ci parking biñu nek heureusement chauffeur yalla may leen ñu am dal waxu ñok ñom defu ñu dara mais gis nañ ni ñu ngi leen di provoquer def na journal yi ñu bari degg nañu ni population Mali yegg nañ ni bagage oni mu ngi dugg seen rew ñoo bi ñu def alerte neena ñu bagage bu rombé Diboli gogou digënté kay ak fofu bu auto yi duñ fa passer nañ leen ray nañ tal auto yi ku dugg ci net bi di ngi ko gis ñom buñu xeyé ñu dem vraiment di remercier colonel douane Mali bim ko yégué ñew na ci ñom xol parking biñu garé mu manqué insécurité mu renforcer sécurité ba porte yi nga xamanté non amul sécurité mu défarat ko pour ar domi sénégal yi fa nek à l'heure actuelle ñu ngi ci 30 mois safola 30 jours et quelques bon biñu amé une semaine interpellé nañu le responsable un certain Diop là biñu dématé ci kanam ñu interpellé en tant que secrétaire général syndicat ñu wax mako néma nan lañuy def man len nañ len xaar ba xam exactement ban kilifa moko yaré ma xam kilifa biko yaré mu nek colonel Diène mo yaré won chargement colonel Diène escoa la nek moy camp militaire bi nek escoa be mako interpellé munuma effectivement ka bobu ñepp yegg nañ ko ba ci président yegg nako téréwul aussi interpellé na sama ministre tutelle muy Mansour Faye mais ba tay munuma ko jot mais jot na directeuram ki nga xamni moy directeur transport à l'heure actuelle muy Wal Diodia Ndiaye ma aggé koko amna audio yu ma xalé envoyé ma envoyé len ko tok nañ fa nak 15 jours ba dem nañ ñom avance biñu len joxone lek nañ ko bu amatu luñu lek mais téréwul chaque jour menace population malienne ñu nga fa ñew demon na benn instant ñu ñenn ñi daw ñew fi Sénégal ñew fi Dakar am ñuñ fa bayyi pour ñu def relève bu ñuy démé ñi ñew parce que tellement ko duñ fa bayyi seen ay auto légui nak colonel bi wona ko ba son nangotuma jël sax légui Diop mi ko yara won nangotuma jël lima jëkkoon décider moy ñu baraké auto yépp taxaw ci Mali djublu wat Sénégal buñ leen day ray wala ñu tejj leen man mako jité par contre amna ay conseil ñu neuma lool du yoon ma jokko wat ak Diop ñu neuma presque sey am nañu sécurité bu wara joggé bir bamako pour ñew escorter leen pour yobul leen jusqu'à présent dara amu fa légui nak chauffeur yi ñom dañoo nekk ci goudi gu beut setagul menace population Mali bari na légui nak bima décider man pour dem frontière yeen ñep yeug ngeen ni Mali à l'heure actuelle chauffeur yaangi ni tok depuis barki dem batay auto camion takul ben auto bougé wul fofu bo demone tay ni frontière auto du dugg ñaari frontière yep ni Moussala ni Kidira man mi di wax nak ab transporteur la ab chauffeur en activité la dama garé sama auto ñew fi di wax mais en même temps nak secrétaire général bi daf ma dab parce que man damay revendiquer sama ak sama yelef parce que si rew mi la bok
so gisé nak mo wax lolu déggone ngeen fi grève fi am ñaari grève yu am solo bokon na ci ñuko organiser bokon na ci ñi organiser ñaari grève yoy deuxième grève bu mujj bi amna kilifa yu bare yu ñu wo xamal nañu moytu len grève da yak am rew té ñun xam nañ ci dara aussi ci sénégal ngay gis ay transporteurs ak chauffeur di tuddu grève sen état diko déglu mais yenen rew yi buñu déggé lu jëm ci grève wala garé ay auto camion bala mo mat 24 heures sen ay autorité nañ len wo laaj len sen xalaat régler ko mais malheureusement sénégal tapalé kessé la fi li suñu autorité yi nekké ak sen bop quoi ak sen njabot tay diboli gi ñu nek mu am insécurité waxuma la domi président mais domi ministre rek bu fa togon bala am une semaine ñu la jënd situation bi mais ñun ñan lañu ñun ñu leen fal ñun ay askan wi ñuy lancer alerte sénégal té suma ko waxé ñi ma togal ñi ay chauffeur xam nañu au moins ben intérêt nak dem di gaspiller sama bakken ci lo xamanteni suma ko defé ñi nek sama ginaaw après buñ ma soulé duñ ma taxaw xam nañ ni suma démé pour taxaw frontière mu leen koy wax nañ ko xam taxaw na fi diboli une semaine téyé fofu une semaine auto dugul auto gennul kay une semaine ba président de la république ko defat nañ lu ñu nakari fi ñu grève fi décembre bé digalé ko ak ministre Mansour Faye ñu am confiance ci sunu ay autorité d'accord ni ñom liñ ñu wax nañ ko def ñu lever mot d'ordre ba jusqu'à présent ñu continuer wat ba décembre bi passé nga xamni dama dañu fexé ba transport en commun bok ci poids lourd bok ci ñepp bok ci ñoñu ci bokon nak Alassane Doye ku ne xam nako représentant mu ngi ni Amadou Sy goor xuma ku ne xam nako représentant mu ngi né té dama leen fexé ba lool bu mu tass kon ñu ngi def alerte ci côté bobu nga xamanteni moy diboli ñu leen di may une semaine 10 jours maximum buñu lijeentul auto yoy auto du dugg frontière Mali camion du dugg frontière Kidira man ci turu cadre unitaire ma bok xam nañu dem wax chauffeur yi nak suma leen waxe ni leen buñu dugg bu leen nexé buñu duggé ma démissioné man parce que fay ñuma révolutionnaire la nek ci réew mi di bañ injustice and ak ñom ci tali bi ñuy teud may teud fi ñi fanan lay fanan liggéey ba yor sama alalu bop fay ñuma fukki dërëm kon état ñom daf ñoo wara bayyi xel ay doomi réew ñi takalatu seen ay dërëm ak seen ay fukki dërëm ba contribuer ñu leen di sétat ñuy dé ci Mali barki dé mondial dégg ngeen chauffeur buñ faray insécurité ba nek Mali sunu ambassade rien amul lenn lo xamne daf ñukoy représenter légui nak dañoo seuss